Salut les amis, bienvenue sur l'Orange Jaune. Dans les années 80, on courait des restaurants asiatiques pour y déguster le fameux poulet aux noix de cajou. Eh bien, aujourd'hui, vous n'aurez plus à le faire. Tout simplement parce qu'on le trouve plus à la carte. Mais surtout, on va vous proposer la recette. Alors on y va. Pour cela, il nous faudra du blanc de poulet, ou toute autre pièce, c'est selon votre goût. Nous allons opter pour les os de cuisse. Des noix de cajou, bien sûr. Des poivrons verts et rouges. De l'oignon. De l'ail. Du gingembre. Du poivre. Du sucre. Du vin de Shaoxing. De l'huile de sésame. De la sauce de soja clair. De la sauce de soja noir. Et de la fécule de maïs. Pour les quantités, comme d'habitude, reportez-vous à la description. Nous, comme vous le savez, on y va pour la petite préparation. Commençons par découper le poulet en gros cubes grossièrement. Et disposer les morceaux dans un saladier. Assaisonner de 2 cuillères à soupe de sauce de soja clair, de vin de Shaoxing, d'une cuillère à café de fécule de maïs, poivré, bien mélanger l'ensemble et réserver une quinzaine de minutes au réfrigérateur. Continuons avec la sauce en mélangeant de la sauce de soja noir avec le reste de la sauce de soja clair, le sucre, un peu d'eau, le reste de fécule de maïs et l'huile de sésame, bien mélanger aussi et réserver. Râpez ensuite finement les gousses d'ail, le gingembre, détaillez le demi-oignon en quartiers et la même chose dans l'autre sens. Découpez le poivron rouge en gros carrés. Ainsi que le poivron vert. Et nous pouvons passer à la cuisson dans une sauteuse à feu moyen, un bon filet d'huile, laisser chauffer quelques secondes et faire dorer les noix de cajou. Et lorsque cela commence à brunir, les retirer dans la même sauteuse à feu vif cette fois-ci, cuire les morceaux de poulet et les réserver. Toujours dans la même gamelle, mais à feu doux. Faire revenir l'ail et le gingembre une vingtaine de secondes, ajouter l'oignon et encore une vingtaine de secondes. Verser le poulet, les poivrons, les noix de cajou et notre mélange de sauce. Laisser réduire une bonne minute. Réajuster l'assaisonnement, dresser et déguster. Aussi simple que ça. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Pour plus de détails sur la recette, comme d'habitude, reportez-vous à la description. En attendant, moi je vous dis à bientôt et bon appétit!